C'est pourquoi, mes amis, imposez-vous toutes sortes de disciplines personnelles pour lire, méditer régulièrement cette parole. C'est le moyen par excellence de la révélation de Dieu à l'homme, les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, beaucoup ont démissionné. Ils ont abandonné leur vie entre les mains des prophètes, des bishops, quadrichops, de toutes sortes de troubadours qui sévissent aujourd'hui. Les gens ne lisent plus la Bible. Ils préfèrent entendre des prophéties. Attention, attention. Ce que Dieu veut, c'est que toi, eh bien, tu grandisses dans sa connaissance. Et cette connaissance passe de manière inéluctable par une connaissance des Saintes Écritures. Mets-toi à lire, ne dépends pas des gens. Ta vie n'a pas de prix. Tu risques un jour de le regretter. Et beaucoup aujourd'hui le regrettent parce qu'ils se sont appuyés sur un prophète. Je suis toujours étonné de voir dans tant de gens qui se disent prophètes alors qu'ils ne connaissent rien de la Bible. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et se dire, mais c'est bizarre. Il vient tout le temps me dire que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, ceci, mais lui-même ne connaît pas la parole de Dieu. Attention.